avant de commencer à parler du centre de cette conférence, qui est le problème donc de la donation ou des donations, comme je vais essayer de l'expliquer, et le problème de la promesse, je voudrais donner tout d'abord une vision historique de ce monde, une vision historique. Car on se pose la question, par exemple, à quel moment s'est produit, par exemple, le célèbre Exode, s'il a existé. Et à quel moment s'est produit tel ou tel phénomène, par exemple, la conquête de la terre des Cananéens, etc., etc. Et donc, c'était confus, et de toute manière. Et par exemple, si on prend l'Ancien Testament, il y a un texte qui fait référence à l'Exodus, c'est le livre premier des Rois 6:1, où il est dit concrètement que le peuple d'Israël a sorti de l'Égypte et 480 ans avant le début de la construction du premier temple. Et la date du début de construction du premier temple est, selon ce texte toujours, et donc la quatrième année du règne de Salomon, si ça a existé, mais en tout état de cause les dates sont précises, ça donne donc l'année 966. 966 plus 480, ça donne, selon donc les chiffres sont très simples, ça donne moins 1446, c'est-à-dire sous le règne d'Amenophis II. Parce qu'on se pose la question, tout d'abord, vous savez, la discussion sur l'Exode, etc. À l'époque, on parlait énormément donc, du règne de Ramsès II, à la mi-temps du règne de Ramsès II. Et par la suite, et actuellement, surtout du côté de l'islam, on parle du règne de son fils Meremta, etc., dont je parlerai par la suite. Le fait est qu'il y a une confusion très grande par rapport à cette histoire, et c'est pour ça qu'il est très important de faire référence à l'histoire de ce monde. Tout d'abord, il faut savoir que c'est les Cananéens qui ont conquis l'Égypte entre moins 1750 et qui mettent fin donc à la période intermédiaire de l'Égypte, et 1750, et ils vont rester jusqu'à moins 1550. Et donc ils restent en quelque sorte presque deux siècles en Égypte. Les Égyptiens les appellent les Hyksos. Les Hyksos. C'est donc exactement à peu près à la mi-temps de cette période-là que les Cananéens vont apporter ce que pour nous est quelque chose d'absolument fondamental, c'est-à-dire la première manifestation de l'écriture alphabétique, ce qu'on appelle la lignée A. À peu près en 1650, moins 1650. Lorsque j'ai dit moins, c'est avant la datation chrétienne, bien évidemment. Et par la suite, pour terminer avec cette histoire donc, de l'écriture alphabétique, et donc, les Cananéens vont réaliser à peu près la moitié, vont réaliser à peu près la moitié de l'alphabet. L'alphabet est terminé. Et donc, exactement par les Phéniciens, autour de moins 1100. Donc, l'écriture est entièrement alphabétisée. Les Phéniciens, ce sont les cousins des Cananéens. Cette écriture étant entièrement alphabétisée, par la suite, et après je ferai d'autres références, par la suite, donc, il y a deux écritures qui vont apparaître en Occident, donc l'écriture grecque. Et les Grecs parlent de l'écriture et ils parlent de Phénicia Grammata, c'est-à-dire d'écriture phénicienne. Et par exactement au 8e avant la datation chrétienne, et à la même époque, 8e toujours, va apparaître l'araméen. L'araméen qui va devenir donc l'écriture de l'Empire babylonien. Voilà, et à peu près posé d'une manière générale.
Ces questions donc de l'écriture qui nous donne un référentiel fondamental pour comprendre donc les Cananéens et c'était un peuple très important. Et le plus, c'est le fait d'avoir conquis l'Égypte qui était la puissance dominante, plus que dominante de l'époque. Ils l'ont conquis comment? Tout simplement parce qu'ils avaient les chevaux, ils avaient les chariots et ils avaient l'arc composite. Et c'est comme ça qu'ils vont donc conquérir l'Égypte. Ils arrivent à conquérir plus ou moins jusqu'au Caire, toute la partie donc du nord de l'Égypte, la partie méditerranéenne de l'Égypte, va être conquise par les Cananéens, par les Hyksos. Et donc, le fait est qu'à un moment donné, les Égyptiens vont intégrer et les chevaux, et les chariots et l'arc composite. Et ils vont se défaire des Cananéens et ils vont expulser les Cananéens exactement par Amosis Ier en 1550, donc la date était précise. Et à partir de ce moment-là, ils vont occuper donc la terre des Cananéens, ce qu'on appelle la Palestine historique, et plus le Liban qui est la terre des Phéniciens. Donc ils vont l'occuper à partir de 1550 jusqu'à après la mort de Ramsès III en 1153. Donc mettons 1150. Et il est évident donc que les Égyptiens non seulement contrôlaient donc cette façade du Moyen-Orient, c'est-à-dire la Palestine et le Liban. Par exemple, il y a la célèbre bataille de Ramsès II à Kadesh en 1274 exactement. Et après, avant, il y a eu Thoutmôsis III qui s'est battu de ce côté-là en essayant de soumettre les populations, etc. Parce que ces populations s'est révoltées contre le pouvoir égyptien. Le fait est que la bataille de Kadesh... Et nous l'avons représenté à Boussimbel et un peu partout en Égypte. C'est presque impossible de connaître l'ancienne culture égyptienne sans connaître la célèbre, sans faire référence à la célèbre bataille de Kadesh que soi-disant donc Ramsès II a conquis tout seul, pour ainsi dire. Hein? Et du côté d'Abou Simbel, c'est la grande représentation, c'est la représentation de la bataille de Kadesh. Donc, la première fois, donc ces peuples, les peuples cananéens et les phéniciens, etc., sont sous la domination égyptienne. Je vous rappelle que Kadesh se trouve donc au nord-est du Liban actuel. Donc, ça veut dire au-dessus du Liban, donc dans la partie du territoire qui appartient actuellement à la Syrie. Et le fait est... Et que et la première fois qu'il y a une référence aux Hébreux du côté donc des Égyptiens, car il faut savoir par exemple que Maspero, le célèbre égyptologue Maspero de la fin du 19e, avait dit quelque chose qui est très simple. Ici en Égypte, il n'y a pas une seule tête d'épingle, comme quoi les Hébreux sont passés par ici. C'est tout à fait évident. Donc, ils n'ont pas. Et par exemple, actuellement, dans les célèbres textes auxquels je vais faire référence à un moment ou à un autre à nouveau, c'est-à-dire la Bible dévoilée de Finkelstein et Silverman. Finkelstein, il ne faut pas l'oublier, ça a été le responsable de l'archéologie israélienne. Il dit tout simplement l'Exode, les patriarches, l'Exode et la conquête de la terre des Cananéens, la terre des Cananéens, ne sont pas des vérités historiques. C'est-à-dire, ça a été inventé. Ce n'est pas des vérités historiques. Le fait est que, et donc, il faut se poser la question, à quel moment donc les Hébreux sont arrivés là? Et nous savons, par exemple, la première trace qu'on a du point de vue de l'égyptologie, et de l'arrivage des Hébreux dans la terre des Cananéens, et c'est dans la célèbre stèle de Maremta de 1209, la célèbre stèle de Maremta, où il est question donc des Hébreux qui sont rentrés dans la terre des Cananéens
et qui ont été chassés et qui ont été exterminés, etc. Des bandes qui sont rentrées, etc. Après, il n'y en a plus de références par rapport aux Hébreux du côté des Égyptiens. Et voilà que, et donc, comme j'ai dit, les Égyptiens vont se retirer de la Palestine historique, etc., et donc du Liban et de la Palestine, vers la fin du règne avec la mort de Ramsès III, moins 1153. Ça, c'est tout à fait évident, c'est à partir de cette époque-là, où tout d'un coup, ils abandonnent donc la terre des Cananéens, donc ces territoires. Et à partir de ce moment-là, d'après ce qui semble, il va y avoir une attitude particulièrement agressive du côté des Cananéens par rapport aux Égyptiens. De telle sorte que Chechonque Ier, et le premier pharaon de la 22e dynastie en 929, va faire une expédition punitive chez les Cananéens. Et c'est cette expédition punitive que, d'après ce qu'il semble, elle était considérable. C'était donc une histoire d'arrêter cette agressivité des Cananéens, parce que les Cananéens essayaient à nouveau, sans doute, d'occuper l'Égypte. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont apparaître les deux royaumes israéliens, c'est-à-dire les royaumes d'Israël du nord et les royaumes du sud, les royaumes de Judée, les royaumes de Samarie et les royaumes de Judée, qui vont apparaître à peu près, donc tout de suite après, l'expédition de Chechonque Ier en 929. Et à partir de ce moment-là, on a deux petits royaumes. Le royaume de Judée dans le sud et le royaume d'Israël dans le nord. Le fait est que le royaume d'Israël va être détruit par les Assyriens en 722, entièrement détruit, et la population est amenée dans les territoires assyriens, etc., et dispersée. C'est ce qu'on appelle les célèbres 10 tribus qui ont disparu, qu'on les cherchait par la suite, etc. N'est-ce pas? C'est justement cette population qui va se dissoudre, parce qu'à l'époque, la croyance dans un Dieu unique, etc., n'existait pas encore, d'après ce qui semble. Et ce qu'on peut appeler le monothéisme, ou la monolatrie plus précisément du peuple de Judée, va se développer à partir de 622 avec la découverte du livre de la loi. Donc ce livre que nous n'avons pas édité et que d'après ce qui semble était écrit avec l'écriture phénicienne, et ce texte va introduire donc l'idée, va développer l'idée de monothéisme sous le règne de Josias. Et par la suite, on va voir, bien entendu, la conquête de Babylone. En 587, la destruction de Jérusalem et du temple de Jérusalem, c'est-à-dire que Judée était toute petite à l'époque. De toute façon, elle va le rester jusqu'à la fin de l'époque perse, moins 333. Et Judée ne représente que quelque chose d'après, par exemple, la Bible dévoilée de Finkelstein et Silverman, représente quelque chose comme 2000 km carrés. C'est 25 km au nord de Jérusalem et 25 km au sud, n'est-ce pas? Or, il ne faut pas oublier que dans l'Ancien Testament, nous avons la représentation du règne de Salomon, qui est un règne extrêmement important, d'après ce qui semblait, qui allait donc du fleuve de la Mésopotamie, donc plus ou moins aux frontières de l'Égypte, à peu près. C'est-à-dire c'était un grand règne, sous un roi très sage, etc. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, donc, de toute façon, Israël n'existait pas. Il n'y avait pas de judaïsme à ce moment-là. Car nous l'avons vu,
Et donc, sous le règne de Salomon, c'est-à-dire en moins 997 jusqu'à 931 à peu près. Et donc, c'est-à-dire, donc à cette époque-là, il n'y avait pas de règne, il n'y avait pas un grand règne comme tel, etc. C'est par la suite, donc, que le règne des Judées va apparaître après la disparition donc, du règne d'Israël, qui était le petit règne du Nord. Tout ça rentrait dans la terre des Palestiniens, ce qu'on appelle la Palestine historique, tous les deux. C'est-à-dire, c'était tout petit, etc. Et de telle sorte que nous avons la représentation donc, d'une époque très, très importante sous le règne de Salomon, d'un grand royaume. Un grand royaume. Mais à l'époque, on ne parlait pas, et bien entendu, du problème de la donation. Les donations vont apparaître par la suite. Et les donations, là, nous passons donc au problème de l'Ancien Testament, car il y a deux donations. Il faut savoir qu'il y a deux donations. Il y a la première donation, qui est celle du 15, donc Genèse 15 et 18, et la deuxième qui est Genèse 17 et 8, hein. Ces deux textes qui sont très importants. Il y a ce qu'on appelle la première donation et la deuxième donation, ou en tout état de cause, la grande donation et la petite donation. Du point de vue historique, on a toujours fait référence à la petite donation, c'est-à-dire au fait que l'Éternel promet à son peuple de lui donner toutes ces terres, donc toutes les terres des Cananéens, d'une manière perpétuelle. Ça, c'est la deuxième donation, et c'est la donation à laquelle on a fait référence. On n'a jamais historiquement fait référence à la première donation. La première donation, on est en train actuellement de faire référence, curieusement. Et c'est-à-dire la première donation, et c'est celle donc du texte de la Genèse 15 et 18, où il est dit concrètement, je te donne ces pays à ta postérité qui va du fleuve de l'Égypte au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. C'est ça, donc, ce qu'on appelle la grande donation, et qui est en réalité la donation au sens strict du terme, parce qu'il dit, je te donne ces pays, et à ta postérité, je donne ces pays à ta postérité, qui va donc du fleuve de l'Égypte au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate, etc. Ça, c'est la donation. La deuxième, donc ils reviennent par la suite, l'Éternel revient par la suite, et il parle d'une autre donation, qui est la donation de la terre des Cananéens, qui est celle donc du 15, du texte 15-18 de la Genèse, dans lequel il est dit, je te donne la terre des Cananéens d'une façon perpétuelle, donc jusqu'à la fin des temps, etc. Et qu'il est dit concrètement, je te donnerai, c'est-à-dire c'est une promesse. De là le concept de la terre promise à laquelle on a toujours fait référence. On n'a jamais, jamais, ou en tout état de cause, le premier à avoir parlé de la grande donation, c'est Herzl, le fondateur du sionisme. C'est le premier à avoir parlé de la grande donation. Sinon, si on regarde tous les textes, etc., et de toute façon, dans la mémoire de tous les gens qui connaissent un peu donc la Bible, etc., on a toujours parlé de la terre promise. On n'a jamais parlé de la véritable donation qui est la grande donation. Et actuellement, et depuis, donc en 1980, il y a la célèbre carte du Grand Israël. Vous n'avez qu'à la regarder, vous la demandez à Google, il vous la donne immédiatement. Ça va donc tous les fleuves égyptiens, n'est-ce pas? Jusqu'à. Donc, qui couvre en réalité un tiers de l'Égypte, la totalité de la Palestine, la totalité du Liban et trois quarts de la Syrie, et un tiers de l'Arabie, etc. C'est quelque chose d'absolument énorme.
C'est la véritable terre promise et qui actuellement est revendiquée comme telle. Est revendiquée comme telle. Vous voyez, le problème, c'est-à-dire que tout d'un coup, on arrête de parler des terres promises et tout d'un coup, on passe à une autre dimension. Et ça, il faut absolument regarder cette carte et le demander à Google pour la regarder. C'est quelque chose d'absolument impressionnant. Et maintenant, essayons de voir ces problèmes de la perception, les autres monothéismes, qu'est-ce qu'ils sont perçus. Si on regarde, par exemple, le cas du christianisme dans les Actes des Apôtres 13, 18 et 20, il est dit concrètement qu'après les avoir nourri son peuple pendant presque 40 ans, etc., donc, et après avoir vaincu sept nations dans la terre des Cananéens, l'Éternel a donné cette terre à son peuple, et jusqu'à la fin des temps, etc. C'est donc, en quelque sorte, le Nouveau Testament reconnaît dans ce texte l'Exode, comme si l'Exode avait été une réalité, et de l'autre côté, donc, le fait de la terre promise, de la donation de la terre promise, va-t-on l'appeler, parce que de toute façon, il y avait la grande donation, et la petite donation était absolument innécessaire, puisqu'il y avait déjà la grande, et la grande, c'est la véritable donation. L'autre, c'est une promesse. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi, et toute la terre des Cananéens, en possession perpétuelle. Donc c'est quelque chose qui était, pour ainsi dire, innécessaire, parce que la grande donation avait déjà été faite, la véritable donation, si vous voulez. Et donc ça, c'est le christianisme de qui reconnaît, donc c'est partie de l'histoire sacrée, etc. Maintenant, en ce qui concerne l'islam, ce qui est très curieux, c'est que, par exemple, dans le texte 454 du Coran, il est dit « Nous avons donné à la famille d'Abraham les livres, la sagesse, et nous lui avons accordé, pas donné, accordé, il a dit accordé, un immense royaume. » Donc, à quoi fait référence cet immense royaume? Tout simplement au royaume de Salomon, pas à la première donation, c'est-à-dire que Mohammed ne fait pas référence à la première donation, sinon il aurait parlé de la donation. Il a dit, non pas une donation, il dit, nous avons accordé un immense royaume. Et bien entendu, le problème en ce qui concerne toujours l'islam, le problème, c'est que Mohammed, d'un côté, reconnaît ses passés, mais de l'autre côté, va les nier à son tour. C'est-à-dire dans la mesure où il considère que cette espèce de donation, etc., ça a duré un certain temps, mais d'après ce qui semble, le peuple juif a trahi son Dieu. Et c'est la raison pour laquelle donc, il est condamné, donc ce peuple est condamné, et il est dit, nous l'avons maudit. 454 du Coran, nous l'avons maudit. Et c'est la raison pourquoi ce peuple a été maudit. Tout simplement, donc ça va être expliqué. C'est expliqué dans les 459 du Coran, le passage, n'est-ce pas? La sourate est 459, dans laquelle il est dit concrètement, ils ont pratiqué les crédits avec intérêt, la riba, l'usure, et c'est pour ça qu'ils ont été condamnés, parce que cette usure leur était interdite. Donc, indépendamment du fait qu'il a été interdit, ils l'ont pratiqué, et c'est la raison pour laquelle donc le Coran les condamne. Or, si nous regardons les textes, on se rend bien compte que dans les Deutéronomes, donc 23:19, il est dit, tu ne prêteras pas avec intérêt à ton peuple, mais tu prêteras aux autres avec intérêt sans aucun problème.
Donc, les prêts avec intérêt n'est pas interdit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il est interdit de prêter à son peuple avec intérêt. Pour le reste, il peut prêter aux autres autant qu'ils veulent et même pratiquer l'usure. Ça ne pose aucun problème. Vous voyez les problèmes. Donc, mais le problème, c'est que donc, dans le Coran, il y a l'idée que, bien entendu, c'est Dieu qui a créé la terre et que la terre lui appartient et qu'il la donne à qui il veut, cette terre. Et à qui veut-il les donner? Maintenant, donc, il est devenu un Dieu différent qui est passé d'être Yahvé, qui est le Dieu d'un peuple, qui est le Dieu donc d'une communauté très précise, qui est le peuple d'Israël. Parce que vous savez, n'importe quelle communauté sociale est capable de se donner une représentation de son ego transcendantal, d'un surmoi, d'un ego transcendantal. On peut se donner une représentation et on peut rendre culte à cette représentation. Par exemple, les Américains, ils se donnent une représentation du peuple américain avec l'oncle Tom. L'oncle Tom, c'est aussi simple que ça. Et il peut, à un moment donné, ce peuple aurait pu, à un moment donné, considérer que cette représentation est la déité en tant que telle. Tandis que donc, dans le cas du Coran, il y a le passage d'un dieu tribal, un dieu qui appartient à une communauté plus vaste, qui est la Oumma, qui est quelque chose de beaucoup plus important, qui a une dimension un peu plus générale, un peu plus universelle, peut-on dire. Quoique, si on parle de Dieu, de l'absolu, là je passe à quelque chose de théorique, lorsqu'on parle de l'absolu, il y a deux concepts de l'absolu. Il y a l'absolu de l'être, l'absolu de l'être, dont la seule conceptualisation que nous avons, c'est curieusement les célèbres dieux des Aztèques, l'homo théotle, homo c'est tout théotle Dieu, les tout est Dieu des Aztèques. C'est ça la représentation d'un absolu de la nature en tant que Dieu. Sinon, il y a les concepts que nous pouvons dégager d'Aristote, tout simplement, c'est le concept de l'absolu éthique. Et l'absolu éthique, c'est l'unité des valeurs d'ordre universel. C'est l'idée de la justice, du bien et du vrai. C'est cette idée-là donc, qui peut être la représentation d'un Dieu absolu du point de vue éthique. Du point de vue éthique. Et c'est ça que les Grecs cherchaient à développer, surtout dans les trois éthiques d'Aristote. Aristote essaye de développer cette idée de l'absolu éthique. Mais l'absolu éthique n'a rien à voir avec la création du cosmos, ni du monde, etc. L'absolu éthique, c'est tout simplement un référentiel humain. C'est un absolu pour l'humain, parce que ce sont les concepts, les valeurs d'ordre universel. Alors donc, nous avons cette représentation de l'idée de la déité qui pose problème. Parce qu'il faut savoir, par exemple, que les dieux de l'Ancien Testament, c'est un dieu très particulier, c'est un dieu qui ne s'occupe que de son peuple. Bien évidemment, il y a le problème de la promesse. Et la promesse, c'est quoi? La promesse, c'est tout simplement le fait de, par exemple, il y a un célèbre passage dans le psaume 2:8 où il est dit « Demande-moi et je te donnerai les nations et un héritage et les extrémités de la terre en propriété. » C'est-à-dire toute la terre doit appartenir, doit être dominée par ses dieux et par ses peuples. C'est la promesse. Et nous allons voir que le christianisme va reconnaître la promesse. Va reconnaître la promesse qui est quelque chose de fondamental. De là, les liens entre l'Ancien, du Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament, etc. Et donc, dans un autre passage, par exemple, dans un autre passage de Daniel 7:27, il est dit: le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple du sang du Très-Haut. Le peuple est donc des saints du Très-Haut.
Ces règnes seront règnes éternels et tous les peuples dominateurs lui obéiront et lui serviront. Et en plus, par exemple, Esaïe 72, il dit, les peuples qui ne voudront pas te servir devront être exterminés. Donc ça ne rigole pas, le problème de la promesse, ça ne rigole pas. Et par exemple, dans les terres où ce peuple a été dispersé, c'est des peuples qui devront être exterminés aussi, etc. etc. Donc c'est quelque chose. Et il ne faut pas oublier que l'Ancien Testament est d'une violence énorme. Vous n'avez qu'à regarder, par exemple, les textes de Josué. Et dans la représentation, dans les textes lui-même, il ne laisse pas, pour ainsi dire, un seul être vivant. Il ne laisse qu'une prostituée. Pour le reste, l'ensemble de la population est exterminée. Par exemple, si nous revenons à la Bible dévoilée de Finkelstein et Silverman, ils disent très bien, ils répètent constamment, la conquête de la terre des Cananéens n'est pas une vérité historique. Alors, ils essayent de s'en sortir, bien entendu, parce qu'il est très difficile d'avoir été fondé par un génocide, pour une société d'avoir été fondée par un génocide. C'est très difficile. Et c'est la raison pour laquelle, donc, Finkelstein et Silverman considèrent, par exemple, que le peuple cananéen s'est converti au judaïsme. Ça, il n'y a pas de preuve. De toute façon, ça, c'est quelque chose qui s'avance et qui pose problème. Parce que le peuple cananéen a continué à exister par-delà l'expulsion des Juifs de Jérusalem et avec l'édit d'Adrien en 135. Et donc, il y a une population qui est restée là, c'est la population cananéenne qui va se convertir au christianisme et qui, par la suite, va se convertir à l'islam, pour l'essentiel. C'est ça, tout le problème. Donc, les cananéens, et de toute façon, il ne faut pas oublier, et par exemple, lorsque le Christ rencontre la cananéenne, Matthieu 15, 18-22, Et lorsqu'il raconte la cananéenne, il la traite très mal. Dans la traduction des secondes, il dit à un moment donné, le Christ dit, on ne donne pas le pain des enfants, dans la traduction des secondes, c'est aux petits chiens. Or, c'est la seule traduction où on donne c'est les petits chiens. On dit normalement les chiens, on ne donne pas le pain aux chiens. Et dans les traductions anglaises, toutes les traductions anglaises et toutes les traductions espagnoles sont données aux chiens, pas aux petits chiens, etc. Et la cananéenne lui répond, mais Seigneur, dans la traduction de Louis II, c'est dit, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table du Seigneur. Non, en réalité, c'est les chiens mangent les miettes qui tombent de la table du Seigneur. Parce que c'est le seul texte avec lequel je ne suis pas d'accord avec la traduction de Louis II. Sinon, pour le reste, ça ne pose pas de problème. Et pour l'essentiel, ça coïncide avec toutes les grandes traductions. Il n'y a pas de problème. Bien évidemment, il faut faire la différence entre la version protestante, qui est la version de Louis II, qui est celle qu'on lit le plus en France, et les versions catholiques, qui sont totalement différentes, qui ont donc des textes en plus, comme vous le savez. Alors, donc, nous avons cette idée du fait de la promesse. Maintenant, je vous ai dit que la promesse, elle est reconnue par le christianisme. Et en plus, elle est reconnue dans les textes les plus importants, par exemple, qui est l'épître de Paul aux Romains. Qu'il ne faut pas oublier, par exemple, qui était considéré comme le fondement de la réforme, cet épître-là. Or, dans cet épître-là, il est dit, ce n'est pas par la loi que la promesse a été reconnue, mais c'est par la justice qui vient de la foi. Et puis, par la suite, dans les mêmes épîtres, donc ça c'est l'épître 4-13, ce n'est pas par la loi
que la promesse a été reconnue, mais c'est par, par la justice qui vient de la foi. Et le deuxième, donc la promesse a été reconnue par la justice qui vient de la foi. C'est tout à fait évident à partir du moment où il y a foi dans ces dieux, les dieux de ces peuples, il y a foi dans sa promesse. Ça, c'est tout à fait évident. Et dans le deuxième texte, et qui se trouve aussi, bien entendu, dans l'épître de Paul aux Romains, et il est dit concrètement, donc il est dit que Jésus j'ai dit que le Christ, le texte dit concrètement, j'ai dit que le Christ a été serviteur des circoncis et pour prouver la véracité de Dieu en confirmant la promesse faite au Père. La promesse, donc c'est toujours l'idée de la promesse. Et par exemple, dans l'épître aux Hébreux 2:16, et il est dit, ce n'est pas aux anges, angels, ce n'est pas aux anges qui viennent en aide, mais à la postérité d'Abraham, le Christ. Vous voyez le problème. Donc, c'est-à-dire que le Nouveau Testament reconnaît la promesse comme quelque chose de fondamental. Et bien entendu, reconnaître la promesse, c'est reconnaître la promesse de la domination universelle. C'est ça le problème. Donc, c'est un texte qui est d'une violence absolument impressionnante. Et ce n'est pas simplement donc, les textes de Josué. Parce que les textes de Josué, si on regarde la première partie, les 12 premiers chapitres, parce qu'elle est divisée en 24 chapitres, les 12 premiers chapitres, c'est la conquête, les 12 suivants, c'est la répartition des terres. La répartition des terres n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est donc la façon comment la conquête a été réalisée. Et la conquête, il expande sur l'être vivant. En plus, les ordres de l'Éternel sont précis. Dans le Deutéronome 20:16, il est dit, dans les terres que l'Éternel ton Dieu te donne à toi et à tes descendants, tu ne laisseras pas en vie un seul être qui respire. Et c'est ça que Josué fait. Il arrête même le soleil pour, soi-disant, ne soit arrêter le soleil Josué 10 et 12, il arrête le soleil, etc., pour continuer les massacres, tout ça, etc. Mais que c'est d'une violence. Par exemple, cette violence va aux extrêmes. C'est difficile à saisir. Et on se demande comment se fait-il que jusqu'à présent, personne n'a parlé de la violence de ce texte. Et le Nouveau Testament, à côté, c'est rien du tout. Hein? Indépendamment du fait, par exemple, que dans Luc 19:27, il est dit, pour ce qui est de mes ennemis, de ceux qui ne m'ont pas voulu comme roi, amenez-les et égorgez-les devant moi. Et d'ailleurs, le dictionnaire de l'Inquisition, espagnole, la vraie, la bonne Inquisition, n'est-ce pas? Et donc, le dictionnaire de l'Inquisition de 1494, et ce passage du Nouveau Testament est cité pour légitimer les droits de l'Église à exterminer des populations. C'est ça, tout le monde. Donc, comme quoi le Christ avait donné la possibilité de pouvoir exterminer ceux qui ne croyaient pas en lui, etc. Donc, qu'il y a des textes violents, et je vais terminer là. Il y a par exemple un texte qui se trouve dans le psaume 117:9 où il est dit « Heureux ceux qui saisissent tes enfants et les écrasent sur les rocs. » C'est impressionnant. Et puis Isaïe 13:16, il dit « Tes enfants seront écrasés devant tes yeux. » Tes maisons vont être pillées et tes femmes violées. Et Osée, après 13:16 aussi, il est dit, et tes petits-enfants seront écrasés et tes femmes enceintes seront fendues du ventre, auront le ventre fendu. Ce sont des textes de violence énorme. Donc qu'est-ce qu'on fait de toute cette violence? C'est ça le problème. Qu'on commence, parce qu'actuellement, par exemple, on commence à se rendre compte que le Coran est d'une violence terrible. Mais à côté de l'Ancien Testament, c'est rien du tout.
Parce que dans le cas du Coran, il est tout à fait évident qu'il dit il faut tuer partout, tu les trouveras, et ceux qui se détournent, ceux qui ne croient plus, ceux qui les incroyants, etc. Et surtout, donc les associateurs, ceux qui associent Dieu avec un homme, donc les chrétiens, etc., et tuez-les partout où tu les trouveras. Donc il est évident, parce que nous sommes actuellement en train de vivre une époque où la lecture de ces textes ne se fait plus d'une manière métaphorique, elle se fait selon la lettre. Et la vérité du texte, c'est la lettre du texte. Et c'est ça qui tout d'un coup fait que, et bien évidemment, avant on faisait une lecture totalement différente. Actuellement, on fait la lecture selon la lettre des textes. Et les textes sont très violents. Et voilà devant laquelle la situation devant laquelle nous nous trouvons actuellement, puisque nous parlons du religieux en sérieux. Donc, prenons au sérieux ces textes. Voilà. Merci, mon frère Lambert.